Dans ce premier épisode du Alex Henry Foster Podcast, Alex, avec toute l'honnêteté et la profondeur qu'on lui connaît, nous ramène à Tanger, nous partage tout à propos de la transition de Your Favorite Enemies à son projet solo, de la création de Windows in the Sky et nous donne ses impressions sur les premiers concerts de sa tournée européenne. Bonjour Alex, comment ça va? Bonjour à toi, bonjour à vous, ça va très bien. Un peu fatigué de toutes les émotions qu'on a vécues hier sur Paris, mais ça va très bien en fait. C'est une belle fatigue qui réénergise aussi, malgré le paradoxe de la chose. Donc, juste pour mettre les gens en contexte, on est dans le premier épisode en fait du Alex Henry Foster Podcast. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir eu cette initiative-là pour les gens afin qu'ils puissent t'accompagner justement en tournée. Tu as vraiment pris l'habitude, dans les tournées précédentes que tu faisais avec Your Favorite Enemies, d'écrire des blogs généralement pour pouvoir juste décrire ce qui se passait, comment tu te sentais, tant sur scène qu'en dehors de la scène. Mais cette fois-ci, tu as décidé de vraiment y aller audio pour pouvoir ajouter encore plus d'émotions et vidéo. Donc, les gens vont pouvoir regarder ça. Quand même assez souvent pendant la tournée. On va commencer avec le premier épisode. Donc, est-ce que tu peux juste nous mettre en contexte un petit peu, nous dire où tu es présentement? Oui, bon, j'oserais pas dire le nom de l'endroit pour ne pas offenser mes amis allemands. Nous sommes présentement à Cologne, dans le resto, un magnifique resto d'ailleurs, adjacent à la venue. Donc, le Stadungengarten. Stadgarten. Merci, Mousse. Donc, voilà. On n'est pas trop certain pour la prononciation, mais bon, l'effort a été là. Voilà. Et j'aurais également prévenu tout le monde. Donc je ne peux pas être blâmé à ce point-ci. Et puis, la tournée pour toi est commencée. Il y a déjà eu deux concerts. C'est une grosse tournée quand même. 26 spectacles en tout. Sur environ 31 jours, donc ça va être quand même assez intense. Beaucoup de premières aussi pour cette tournée-là. Donc, le premier concert d'ailleurs était à Dunkerque, première fois où vous jouiez là. Vous allez passer aussi par l'Autriche, la Norvège, la Suède. Donc, ça va être une tournée vraiment très cool. Mais avant qu'on commence à parler justement des deux concerts qui ont eu lieu en France, les deux premiers, les deux seuls de cette tournée-ci, j'aimerais qu'on puisse aller un peu dans la signification du nom de la tournée, qui est en anglais « Slow Pace of Peace to Come », et puis en français, quelque chose qui ressemblerait à « Une paix qui s'installe tranquillement ». Doucement. Doucement, bon. Ouais, mais en fait, je crois que c'est un peu le reflet de mon état d'esprit face à la tournée. Je pense qu'au début, quand on s'est fait inviter, c'est un peu ramené à la question de retourner sur la route un peu plus sérieusement, je dirais, parce que quand j'ai fait l'album, j'avais pas vraiment envisagé de retourner sur la route. J'avais pas vraiment envisagé non plus de donner des spectacles. Je me sentais pas du tout prêt quand j'ai sorti l'album. Donc, de revenir sur la route comme ça et d'apprécier chacun de ces petits moments-là, je crois que c'est un peu de nourrir cette paix et cette liberté qui se vit dans des petits moments, dans des petits instants comme ça, que tu réalises qu'il n'y a pas de petits moments ou de petits instants. Mm. T'as simplement ce lâcher prise qui te permet de prendre peut-être la chance aussi de te lancer dans le vide. Puis c'est un peu le reflet de cet état d'esprit-là. Voilà. Donc, en anglais, ça m'a pris 45 minutes pour expliquer la situation, donc on m'a dit d'être un peu plus clair et précis. Merci. Merci aux régisseurs ainsi qu'aux producteurs du show. On trouvera bien moyen de parler d'autres choses en français. J'en ai aucun doute. C'est pas les premières entrevues qu'on fait ensemble. Et exact. Généralement, tu es encore plus généreux en français que tu l'es en anglais. Nous verrons. Et puis, les deux premiers concerts ont lieu. Là, c'est une journée de congé pour le moment. Mm-hmm. Donc, tu nous as parlé justement de la sortie de ton album « Windows in the Sky » qui a eu lieu au Canada seulement pour l'instant, comme quoi tu n'étais pas certain de retourner en tournée. Comment tu vis le fait d'être sur scène maintenant avec cet album-là? C'est un album qui, à la base, tu n'étais pas certain de sortir.
Mais je crois que je, comme un peu comme je partageais, je crois que je le vis, mais surtout je l'apprécie. Dans le moment présent, je pense que c'est ce que je me suis le plus affranchi de toute cette anxiété, l'angoisse. Je me suis jamais vraiment senti bien ou confortable sur scène. Ça a toujours été un gros, un énorme struggle. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Un combat ça a toujours été un combat pour moi d'être sur scène. J'ai toujours eu le sentiment de... Et très personnel, d'ailleurs, de jamais me sentir assez, de jamais sentir que c'était assez bon, que c'était véritablement ce que j'avais envie de livrer ou de partager. Donc, j'ai toujours eu cette espèce de combat avec moi, un peu comme faire du shadow boxing. Tu te bats contre ton ongle, t'as jamais l'impression d'être en mesure de pouvoir toucher un truc qui est invisible. Puis aussi, c'est que c'est illusoire aussi. Mais ça c'était mes démons à moi qu'il fallait que vraiment je puisse m'affranchir au niveau aussi de la confiance en moi, au niveau de tout ce que j'ai vécu aussi dans le passé. Donc c'était ce gros bagage que j'apportais à chaque fois de monter sur scène avec Your Favorite Enemies. Puis dans la mouvance de mon projet. Je te dirais ce qui était surtout difficile au départ, de pouvoir simplement de pouvoir comment je pourrais dire, la façon que je voyais tout ça. D'une part, je voulais pas faire de concert. Mm-hmm. Je crois que c'était dans la même lignée de la raison pour laquelle j'avais pas vraiment envie de faire énormément de promos sur l'album. Je l'ai sorti vraiment un petit peu du bout des doigts. J'étais allé vraiment à tâtons. Je savais que c'était important dans ma démarche à moi de pouvoir lancer l'album et me cacher une fois de plus dans mes insécurités, dans mes angoisses. C'était important pour moi de le faire, mais encore une fois, je l'ai triché un peu dans la mesure où, sans promo, sans rien, j'avais presque envie que personne ne le sache, puis que... Je pouvais quand même me dire, ah ben, tu vois, t'es allé jusqu'au bout, ouais. Sachant que c'était complètement faux. Et, ou du moins, pas tout à fait vrai. Exact. Et donc, de retourner sur scène, pour moi, ça n'a jamais été une question jusqu'à temps que là, les gens s'approprient l'album, qu'ils me reçoivent moi, reçoivent les émotions, qui se reconnaissent dans l'album en face. Qu'ils le fassent leur aussi. Puis, lorsque les invitations commençaient de tournées, de concerts, c'était systématiquement non. Puis, jusqu'au Festival de jazz où Laurent Saunier, qui est le programmateur là-bas, vraiment, vraiment insisté pour que je puisse faire partie de l'édition de l'année dernière. Puis encore là, il nous avait donné un deadline. J'ai passé le deadline. Il a insisté, réinsisté, réinsisté. Puis, il m'a donné vraiment tous les coups des franches. Ce qui m'a permis de me dire, OK, bon, ça va être une étape. Pour moi, c'est important. Donc, ça va être le seul concert que j'entrevoyais donner. Mm-hmm. C'était à la maison aussi. C'était différent. C'était chargé de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ma mère allait être dans la salle. Et une pléiade d'amis de mon père. Donc, comme l'album a une trame narrative qui porte sur son décès, ouais. Je me sentais, non pas l'obligation, mais je pense qu'un peu le peut-être le devoir aussi de devoir, de pouvoir partager ça avec eux et d'aller jusqu'au bout. Et pour moi, c'était une soirée seulement. Et, parce que je me disais, bon, mais qui va avoir le désir de venir voir quelqu'un faire de la poésie parler sur de la musique un peu particulière. Avec un thème qui est quand même avec un thème qui est quand même singulier, qui fait vivre beaucoup de trucs, dans un contexte où on voit pas Alex en train de sauter partout. Donc moi, je voulais aussi être honnête dans me permettre de vivre les émotions, ouais. Mais j'avais peur. Ma véritable crainte, c'était de perdre un peu le contrôle de ces émotions-là, de pas être en mesure de pouvoir... partager avec les gens, que je devienne trop émotif, que ça parte en vrille, que ça devienne un peu un désastre émotionnel, que ça se fasse devant tout le monde. Puis c'est un peu ce que j'avais partagé avec Jeff,
qui me disaient non, ben, mais nous, on est là, on te supporte, on est avec toi. Si tu as envie de le faire, on va être là. Si tu veux pas aller dans cette direction-là, t'as pas à t'inquiéter, t'as pas à te sentir coupable, t'as pas à te sentir aucune forme de pression pour le faire. Ben avait le même, avait cette même mesure d'amour, mm-hmm. dire regarde, on est là pour toi. Puis si, dans l'éventualité où on le fait, et que après une demi-chanson, c'est la fin, puis c'est tout, c'est comme ça. Puis t'as pas à te sentir responsable de la façon que tu vas le vivre. Parce que pour moi, c'était de le vivre avec sincérité, ouais, mais c'est, je voulais pas prendre les gens non plus en otage dans les émotions que j'allais vivre et partager. Et partager, donc, ouais. Donc ça, c'était un grand dilemme pour moi. Puis une fois cette étape franchie, je crois que par la suite, de retourner en tournée, pour moi, c'était de me dire, bon, est-ce mais, que je vais être... Oui, vas-y, excuse-moi. Tu disais que ce concert-là, justement, au Festival de jazz, pour toi, tu le voyais comme le seul. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'idée et que là, finalement, après ça, on t'a vu, t'es faire des concerts à Hamburg pour le Ripper Band, t'as fait une supplémentaire à Montréal au mois de novembre, t'as été faire quelques concerts à New York et là, t'es en tournée vraiment européenne, mm-hmm. une très longue tournée. Donc, ça a été quoi le déclic pour toi entre vraiment les gens... C'est comment les gens ont reçu les chansons, comment, encore une fois, dans les témoignages, les messages, à quel point pour eux, c'était Alex qui partageait son vécu, son cheminement, ses émotions, mais les gens ont compris que c'était une invitation à communier, que j'avais pas l'intention que ce soit le Alex Show. Et qu'à tous les soirs, je devais aller m'ouvrir les veines, puis que ça devienne un peu un freak show émotionnel. Non, je crois que les gens ont compris l'honnêteté de la démarche, ont compris la sincérité avec laquelle je me suis livré dans l'album. Et par la suite, les gens au concert, c'était très difficile, là, le Festival de jazz. Il y a des gens qui ont quitté. Pour certains, des gens dans la salle. C'est normal. Parce que les gens n'étaient pas prêts. Les gens ont vu Your Favorite Enemies dans ce que Your Favorite Enemies avait de plus magnifique. Mm-hmm. Le dernier concert qu'on a fait à New York. Et puis là, on se retrouve au Festival de jazz sur un autre ton complètement différent. Les gens, bien qu'ils avaient entendu l'album, s'étaient approprié l'album, mais de le vivre en live, de voir toute la charge émotive. Pour des gens, beaucoup de gens ont quitté, m'ont écrit après me disant... C'était trop émotionnel pour moi. Mais les gens, ces mêmes personnes sont revenues par la suite à Montréal dans la supplémentaire parce qu'ils étaient prêts, peut-être prêts, pas le bon mot, mais ils étaient peut-être disposés à vivre à leurs donner une émotions. Autre chance, et de pas. Mais moi, je vois même pas ça une non, chance. Non, mais pas une chance à la musique, mais une chance à ces émotions-là. Moi, je crois que les gens, on dit OK, c'est. On va aller. On a l'occasion de déterminer jusqu'où émotionnellement on se livre, dans l'expérience, dans la communion avec la musique, avec les mots, avec le band live. Puis c'est cette vague de messages, de commentaires, de témoignages qui m'ont dit, OK, ça m'a dédouané, je dirais, de réaliser que... Parce que moi, je ne voulais pas que ce soit que par rapport à moi. Je n'aurais pas été capable d'assumer. J'ai pas assez de force de caractère. J'ai pas assez de courage d'assumer tout ça seul, bien que j'étais avec le band. Mais au niveau émotif, j'avais pas cette force. Ou du moins, j'étais pas conscient peut-être de cette force latente qui était en moi. Et c'est les gens qui m'ont dit, regarde, c'est important pour nous. C'était vrai, c'était senti. Ça m'a porté. Ça m'a soit chaviré, certains autres m'ont dit « Ah, ça m'a vraiment inspiré. » Donc, tous ces messages m'ont amené à me dire « Bon, bien, je peux pas être égoïste et garder ça pour moi, mais dans la même mesure, je veux pas me sentir obligé. » Parce que beaucoup pendant des années avec Your Favorite Enemies, comme je me sentais jamais bien dans le contexte, c'était pas tant l'obligation comme le fait qu'il fallait continuer. Peu importe les circonstances, on continue, on avance. On,
on press on, on y va, ouais. On faut pas arrêter, go, go, go. On enchaînait les projets, les tournées, les lives Internet, les trucs. C'était les toujours d'innover, de ouais. faire des trucs un peu fous. Puis, tu deviens un peu prisonnier de ton personnage, prisonnier de ton uniforme. Puis, dans quel sens prisonnier? Dans la mesure où il faut que tu continues à aller et tu dois okay. faire abstraction du fait qu'à un certain moment, c'est que tu n'as comme plus rien à partager. Mm. Tu as simplement un peu tu donnes un peu les ressacs de ce que les gens te redonnent, parce que les ouais. gens sont généreux avec nous, ils ont toujours été généreux, ont toujours été présents, ont toujours été fidèles, loyales, une véritable amitié, une relation de cœur véritable. Donc, c'est ce ressac qui revenait vers nous, nous permettait de continuer. Mm. Mais pour moi du moins, je ne parle pas pour les autres, mais pour moi, ça se faisait toujours dans l'abnégation de soi, et c'était toujours dans la distance, la dissociation avec le présent, avec le moment présent. Parce que si je me laissais aller dans le moment présent, c'était soit trop affectif, ça me demandait trop d'énergie. Et j'ai toujours eu la crainte de ne pas pouvoir me sortir de cette espèce de tourbillon affectif-là. Donc, you keep going, until you just can't keep going. C'était un peu ça, la philosophie. Et donc, c'est ça qui t'est arrivé aussi, en quelque sorte. Parce que... Oui. Parce que t'étais vraiment à fond dans tout, puis à un certain point, t'as comme tout arrêté, puis t'es vraiment parti en exil. Sur Tanger, oui. Tu l'as écrit, oui, exactement, ouais. En exil de toi-même, sur Tanger. Donc, comment tu t'es rendu compte que c'était là le point? C'était quoi le point de non-retour? Je crois pas que tu peux te rendre compte de ça, mais je pense qu'aussi à un certain point, t'es comme un peu un bateau à la dérive. Et à un certain point, tu perds complètement conscience où tu es, le moment dans lequel tu te situes. Puis c'est un peu les vagues qui te portent. Et tu te dis, bon, mais OK, on continue. Puis pour Tanger, bien que c'était clair pour moi que j'avais des choses à adresser ou simplement à les réfléchir dans ma propre vie, mais je m'étais également dit, je m'étais cautionné en disant, bon, je vais écrire le prochain album de YFI, je vais être dans un environnement qui est vraiment inspirant, qui est complètement nouveau, avec d'autres décors, d'autres couleurs, d'autres sentis, avec un contexte qui m'était complètement étranger, où j'avais aucune balise, où j'avais pas de gens que j'allais pouvoir aller côtoyer, ou d'amis qui pouvaient me faire visiter la ville, des trucs comme ça. Donc, j'étais vraiment... laissé à moi-même. Ouais, voilà. Et je m'étais dit, bon, mais ça va être le parfait moment pour moi de faire face à ce que j'ai un peu, bon, décidé de passer très rapidement outre et de pouvoir ultimement écrire le prochain album. Je partais pour 2 mois. Ensuite, je m'étais dit, bon, je vais revenir avec assez de matériel. On va pouvoir continuer. On avait déjà beaucoup, beaucoup de morceaux en banque. Donc, on savait déjà un peu la suite. Mm-hmm. Puis... Mais ça a été vraiment... Ça, c'était le fruit de l'illusion qui a été tout autre réalité, une chose. Et la réalité, ça a été quoi, finalement? La réalité, c'était de réaliser qu'une fois seul, j'étais complètement perdu. J'étais vraiment brisé. J'étais vraiment damaged. Puis j'étais vraiment devenu un mess au niveau affectif puis émotionnel. Puis je me disais, bon, plus que je... C'est comme j'avais tellement barbouillé le miroir de d'illusions, puis de déni, de diverses conneries, que quand j'ai commencé juste un peu à vouloir adresser des choses, et là, je détestais la réflexion de ce que je voyais. Ça mettait beaucoup en lumière ce que j'étais devenu. Je réalisais que j'étais amer. Je réalisais que j'étais une personne qui avait perdu beaucoup de ses couleurs. Je n'arrivais plus à voir... l'éclat que je croyais que j'avais, ou du moins que je tentais de nourrir. Donc, c'était vraiment un choc pour moi de devoir faire face à ça. Mais c'était surtout... le point de bascule, c'était de me dire, bon, mais est-ce que tu revois le truc et tu rebarbouilles tout ça avec d'autres
conneries, puis ensuite tu passes à d'autres choses, puis tu dis OK, cool, là, je suis conscient, là, je dois. OK, maintenant ça va mieux, puis on continue. Ou de vraiment faire un grand ménage, de dire OK, bon, ça c'est ce que je suis, est-ce que c'est... et ça me plaît pas du tout, et là je dois aller soit me retrouver ou me redécouvrir, ou peu importe le terme scientifique pour dire que tu es complètement off. Ouais. Puis que faut. Mais donc, you gotta deal with it. Tout ça, ça a commencé quand même bien avant ton exil sur Tanger, ce grand nettoyage-là. Non, pas vraiment. Non? Non, ça a vraiment commencé. Okay. Je ne vais pas te décevoir, je ne sais pas ce que tu as lu ou ce que j'aurais pu écrire à ce propos, mais non ça a vraiment véritablement commencé à Tanger. Non, parce que à la maison, t'es avec les copains, t'es dans ta routine, ouais. T'es dans tes trucs. Tu te construis un monde dans lequel tu n'as même pas à réfléchir au miroir. Exact. Si t'as même pas, le miroir est dans une pièce, d'une pièce, d'une pièce, d'une pièce, d'une pièce que où tu dis que tu n'auras jamais à aller, même t'inquiéter à avoir conscience que c'est là. Donc, tu es dans un environnement qui est vraiment, surtout nous, c'est pas qu'on vit en autarcie, parce que c'est très, très, très ouvert, mais on a quand même notre monde à nous, on a tout notre univers, notre communauté, nos trucs. Puis aussi, c'est que on vit toutes nos émotions à travers la communauté. Oui. Donc, on peut vivre. Moi, j'ai vécu lorsque la perte de mon père a été vécue à travers l'amitié, à travers le contexte de la communauté. Puis ensuite, on passe à d'autres choses. Sauf que c'est par la suite que j'ai réalisé que nos relations étaient pas tout à fait ce qu'on voulait croire qu'elles étaient, et que j'ai réalisé aussi que j'avais rien vécu au final, que j'avais simplement dit « OK, voie d'évitement, et on continue. » Parce que si j'arrête et que je fais face à tout ça, je sais pas combien de temps ça peut prendre, je sais pas la dimension que ça peut prendre, et je peux pas non plus arrêter le train en marche, parce que... Et même ça, c'est de la foutaise, parce que tu te fais toujours... Tu trouves des raisons pour te convaincre, alors que la réalité, c'est que tu ne veux pas faire face à tout ça. Pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Mais c'est vraiment à Tanger que moi, j'ai frappé vraiment un mur où j'ai réalisé que les écrits que je faisais, c'était d'une amertume et d'une violence telle, parce que d'une part, je me disais que personne n'allait jamais lire ça. Puis... Tes écrits personnels. Oui, mes écrits personnels. Okay, ouais. Tous les paradoxes, toute cette rage qui m'animait, une rage de ne pas être en vie, de vouloir vivre, mais de ne pas vouloir l'assumer. Tous les paradoxes et contradictions, c'était vraiment... c'était un chaos, un fouillis émotionnel... d'une rare connerie, je présume, mais c'était vraiment ce que je vivais, c'était l'authenticité où je me foutais des mots, je me foutais de la façon que je le disais, je me foutais qu'on... Il n'y avait plus ce filtre de ne pas vouloir être mis à nu, j'avais pas le filtre d'être vu pour qui j'étais ou ce que je vivais à ce moment-là. Mm. Et ça, c'était un choc pour moi parce qu'à un certain point... C'était tellement évident. Je présume que ça devait l'être pour les amis qui m'entouraient. Et c'est pour ça qu'ils m'ont beaucoup encouragé à aller sur Tanger. Mais je pense qu'ils m'ont beaucoup encouragé à aller prendre un temps pour moi. Bien que les paris étaient ouverts parmi les copains à se dire que jamais j'allais être là tout le 2 mois que ça devait durer. Donc, j'aurais battu tous les pronostics puisque je suis resté là-bas presque 2 ans au final. Oui, quand même. Quand même. Et puis, dans le fond, c'est de tout ce temps-là que tu as passé à Tanger qu'est né l'album Windows in the Sky. Mm-hmm. Et puis, pourquoi la décision d'y aller vraiment en tant que Alex Henry Foster et pas Your Favorite Enemies? Parce qu'à la base, tu allais écrire un prochain album pour Your Favorite Enemies. Ouais, mais j'ai tout fait de réaliser que j'allais absolument rien écrire au final. Je vivais rien. Cette dimension-là était très personnelle. Puis, j'en suis venu à un point où je me suis dit, j'avais même pas envie. À un certain point, quand je parle tout à l'heure du point de bascule où j'ai réalisé là où j'en étais dans ma vie,
c'était comme un... J'ai comme fait exploser un peu le cette espèce de château de cartes qui était bien ficelé, bien organisé. J'ai dit, ah bien, non. Pour moi, j'avais plus envie de faire de la musique. J'avais plus envie de faire trop de trucs avec le band. La seule chose que j'avais envie, c'était d'être vrai. Puis c'était comme un monde sans issue. C'était très compliqué. Mais... Puis, ensuite, je me suis dit, OK, cesse de te mettre cette pression qui, en fait, en réalité, c'était simplement une excuse. Ouais. Parce qu'il n'y aura pas de prochain album de YFI. Parce que c'était impossible qu'il y en ait. Parce que je réalisais que j'étais pas bien. Puis que je pouvais pas tenir tout le monde en otage dans ce mal de vivre, dans ce contexte de non-sens, de déni et tout ça. Donc, une fois que j'ai fait la paix avec ça, c'est là que j'ai commencé doucement à pouvoir aborder des trucs dans ma vie et avec l'honnêteté qui était nécessaire pour vraiment plonger. Mm. Puis quand tu plonges, j'étais conscient que j'allais peut-être ne pas revoir la surface. Mais je devais plonger parce que je suis le type d'individu un peu étrange qui ne croit pas dans une démarche si elle n'est pas souffrante. Je ne crois pas que c'est vrai si je n'en souffre, si je n'en vis pas la souffrance. Mm-hmm. C'est complètement abject, vous n'êtes pas obligé. Mais pour moi, c'est je suis wired comme ça. C'est comme ça que toi, tu que sens je suis construit. Que c'est vrai. Donc, c'était le début d'une grande souffrance. Jusqu'à temps que je réalise que je n'avais pas le besoin de souffrir pour simplement lâcher prise et de pouvoir me reconstruire. Okay. Dans mes mots non scientifiques. Pour parler de maladie mentale, probablement, de dépression et tout ça, de désespoir. Et puis, ce sentiment-là de toujours avoir J'ai l'impression que le premier podcast, de la psychothérapie, ça va bien? J'espère que je suis pas trop downer pour tout le monde. Non, moi, en fait, je trouve que c'est vraiment très intéressant de savoir le parcours que tu as vécu vraiment pour qui a mené jusqu'à la création de Windows in the Sky. Je vais pas être un spoiler, ensuite, mais je m'en suis sorti puisque je vous parle en ce moment. Ben, moi, c'est ça en fait, qui m'intéresse, mais dans le fond, ce que tu dis, est-ce que c'est quelque chose que tu vis encore aujourd'hui ou est-ce que c'est ben, un sentiment ce que j'ai accepté, que c'est que je vais toujours avoir à vivre avec ça. C'est que la véritable souffrance, je crois que ce qui est terrible, c'est de nier ta nature. Et quand tu nies cette nature, ça t'oblige à dévier de toi-même. Et c'est là que ça devient encore plus souffrant. Et c'est là que ça t'isole. C'est là que tu as des comportements qui te ressemblent pas. Tu as des pensées qui te sont étrangères, mais que tu as l'impression qu'il faut que auxquelles tu dois adhérer pour que ça soit différent, pour pouvoir un peu masquer la réalité de ce que tu vis. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, moi, j'embrace cet état affectif troublé, cette brisure qui avec laquelle j'ai toujours, depuis mon enfance, dû composer avec. Ouais. Puis par la force des choses, où j'ai simplement appris à vivre dans la négation de ce que c'était. Ouais. Et ce qui isole, et ça te met dans un état d'esprit qui est complètement abject, parce que tu n'es jamais dans le réel, au final. Exact. Parce que tu n'es jamais dans le senti, tu es toujours dans la projection de quelque chose, où tu as toujours l'impression d'être un peu un imposteur. Comment gérer les émotions? Tu as toujours l'impression de ne jamais être assez. Tu as jamais l'impression de... Tu as toujours aussi la hantise d'être découvert. Oui. Qu'on te voit pour qui tu es. Et avec la honte avec laquelle ça vient de réaliser que... Non pas que t'es un faussaire ou que t'es fake, mais qu'il n'y a rien derrière le rideau. Mm. Ouais. Que tu ne sais même plus t'es qui. Donc, c'était toute cette espèce de...
quand même un grand voyage. L'acceptation. L'acceptation, voilà, oui. De cet état et de me dire, ben oui, moi, c'est ce que je suis. De comprendre aussi, c'est des trucs qui viennent de loin, que même mon père a vécu aussi, des trucs comme ça, mais et simplement de l'accepter et de pouvoir y travailler au quotidien, de pouvoir me dire, oh, attention, tu vois, ça c'est dangereux pour toi, ou ça, tu sais que ça te rend un peu plus sensible, et d'arrêter de vouloir prétendre quoi que ce soit. Mm-hmm. Et donc, toi, à travers tout ça, tu te retrouves, compose, lance Windows in the Sky, et puis, premier concert, tu as besoin d'un groupe, et tu reprends tous les mêmes groupes, mêmes membres. Et qui de mieux que mes meilleurs amis pour se joindre à moi? Alors que c'est un endroit où tu ne te sentais plus bien du tout. Qu'est-ce qui a mené à cette décision-là? L'endroit où je ne me sentais pas bien, ce n'était pas nécessairement avec eux. C'était dans ce que moi, j'avais construit, dans ce que moi, j'étais. C'est ça la grosse différence. Puis la vérité, c'est que si ça n'avait pas été deux, il n'y aurait pas eu de Windows in the Sky. Si ça n'avait pas été deux, il n'y aurait pas eu de concert. J'avais pas le courage d'assumer tout ça, j'avais pas la force d'aller jusqu'au bout, mais c'est à travers cette vague d'amour qu'on m'a témoigné que j'ai réalisé, oh, ok, ouais. Donc, de me retrouver avec eux, c'était même pas de devoir me retrouver en territoire commun et connu pour pouvoir faire face à la suite, c'était de se redécouvrir. Et ça, c'est ce qui s'est passé aussi à Tanger, parce que il y a deux étapes importantes dans mon séjour à Tanger. C'était moi qui a été transformé, ou du moins qui me suis permis d'être. Et ensuite, ça a été d'inviter les copains à Tanger, les membres du band, et de dire, bon, mais OK, ça passe ou ça casse. Sauf que, parce que à toute fin pratique, le band, c'était terminé. J'avais plus envie de faire ce genre de truc-là, dans ces conditions-là. J'avais surtout plus envie d'être dans la même dynamique de groupe. J'avais absolument plus envie de continuer à maintenir l'illusion de quelque chose auquel je ne croyais plus. Et je ne parle pas du groupe, je ne parle pas de la musique, mais je parle de cette espèce un peu de ce qui était devenu une comédie relationnelle entre nous, où finalement on n'adressait plus les choses. Tout le monde on préférait avoir des fous fuyants, on préférait avoir des fous fuyants, on préférait admettre ou peut-être permettre certains comportements alors que ça nous choquait. Et c'était la loi du silence dans le faux prétexte au nom du band, parce qu'il fallait absolument continuer. Donc, moi, ça ne m'intéressait plus. Mais plus du tout, parce que d'une part, je ne me reconnaissais plus du tout à l'intérieur de ce truc-là. Et je ne me faisais pas confiance aussi que je n'allais pas être de ceux, pour ne pas dire celui, qui allait remettre tout ça en place. Tous les faux fuyants, images. Donc, et moi, je ne me faisais pas assez confiance de me dire, est-ce que moi, une fois de retour dans l'espèce de cirque et le train à haute vitesse de Your Favorite Enemies, est-ce que moi, je vais simplement me dire, bon, OK, je vais peut-être changer un peu la couleur, mais je vais me remettre le même uniforme, reprendre les mêmes marques dont j'avais besoin de me défaire et que je m'étais émancipé d'eux. Donc, de faire venir le reste du band, c'était vraiment un peu un pari, parce que c'était... Bien que pour moi, c'était terminé, il n'y avait pas eu cette grande discussion encore où on allait être honnête les uns et les autres et se dire, bon, mais OK, on admet que, bon, déjà moi puis Ben et moi, on avait déjà on était déjà en marche sur un autre projet, faire de la musique de film, on était déjà enclenché dans un truc, Jeff s'était joint. Donc, il y avait déjà les affinités, les ascendants que j'avais avec certains dans le groupe étaient déjà... Et avec ceux avec lesquels je ne l'avais pas, il y avait déjà une scission qui s'était installée naturellement à travers les années. Puis, lorsqu'on a fait venir tout le monde, c'était carte sur table, il y a eu énormément de conversations, c'était difficile pour tous, mais c'était
vrai et nécessaire. Nécessaire parce qu'on s'aime et vrai parce que moi, je ne voulais plus retourner en arrière. Donc, parler de certains événements qui s'étaient passés dans le groupe, de grandes tragédies qui s'étaient passées entre nous, qu'on avait simplement rejeté du revers de la main, qu'on avait remodelé dans un narratif qui allait plaire à tout le monde, où tous et chacun étaient confortables, bien qu'il y avait un malaise qui était incroyable, certains comportements issus de ce genre de choses-là qui, au final, nous mettaient tous mal à l'aise, mais auxquels on se devait d'adhérer pour je ne sais quelle raison. Oui. Donc, on a vraiment parlé de plein de trucs et c'était vraiment difficile. Il y a eu beaucoup de larmes. Il y a eu beaucoup de colère aussi qui a été exprimée, mais j'ai senti que c'était vrai et nécessaire parce qu'il y avait encore de l'amitié. Oui. Et ça, c'est ce qui était la base pour moi, c'est ce qui est devenu la base de tout parce que j'invitais les amis à venir chez moi dans un monde où eux... Chez toi, à Tanger. À Tanger. Oui. Où eux, au final, n'avaient pas d'ascendant. Moi, j'étais devenu quelqu'un que eux étaient... Il y avait un malaise dû au fait que, bon... Ça faisait longtemps qu'ils ne t'avaient pas vu non plus. Ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu. Ça n'avait plus trop banqué. On en est où? Bon, tout le monde marchait un peu sur les œufs. Un peu en se disant, bon, c'est si fragile ce qui nous reste. Faut pas tout bousiller. Alors que moi, j'étais quelqu'un qui... je voulais faire tout éclater. Et s'il restait des trucs... Ouais. Qui était assez précieux pour nous, on allait les prendre, mais c'était pas pour reconstruire la même merde qu'on avait avant. Voilà. Au contraire, c'était pour s'en émanciper, mais complètement. Puis, cette première semaine est devenue 2 mois, 3 mois. Et finalement, on est demeuré ensemble pendant 6 mois sur Tanger, présenter les copains, les amis qui avaient été si bons envers moi, qui m'avaient recueilli alors que... J'étais complètement à la dérive. Donc, moi, j'avais ma vie. Oui. Et de pouvoir la partager avec les autres, c'était important pour moi parce que c'était des amis. Ça allait bien au-delà du band. Et c'est ça qui a fait la différence. Et puis, ces gens-là, justement, c'est peut-être qu'eux ont une autre version de l'histoire, mais moi, du moins, c'est comme ça que moi... Ce sera le sujet d'un podcast spécial avec invité. Oui, c'est ça. Où je ne serai pas là. Mais ces amis-là, justement, qui t'ont recueilli à Tanger, ils étaient là au concert à Paris qui a eu lieu hier. Comment toi, tu as vécu ça, de savoir que ces gens-là ont vraiment été témoins? Ben, d'une part, je crois que leur présence démontre simplement ce qu'ils sont. C'est des êtres d'une générosité extrême, d'un don de soi absolu, d'une honnêteté de cœur qui est incroyable. Puis, de les avoir avec, j'allais dire moi, mais avec nous. Hier soir, c'était sur Paris, c'était extraordinaire. C'était d'une douceur absolument fantastique. C'était un moment qui était singulier pour moi en tant qu'Alex. Oui. Ça allait au-delà du... c'est pour ça que je le dis, parce que parfois, les gens vont dire, « Ah, ben, mais nous aussi, on était là, mais... » Évidemment, c'est pas une question de qui est plus important que d'autres. Voilà. Mais moi, Alex, de voir des gens que j'aime et qui m'ont fait tant de bien, vouloir m'accompagner, un peu venir souffler dans mes ailes, dire « Regarde, on est là, on croit en toi, on est ensemble, on vit le moment. » Mais ça montre juste à quel point l'espèce d'incroyable générosité de ces gens-là. C'est juste le reflet de ce que moi, j'ai vécu là-bas. Tout à fait. Et c'est bien que j'étais hyper nerveux. Dans ma tête, je me dis, bon, ben, faut pas merder, hein? Puis non, ça m'a vraiment... ça m'a touché d'une façon... que j'ai peine encore à comprendre, donc à expliquer nécessairement. Évidemment. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Pour tout ce temps-là, pour ta générosité, pour ton honnêteté envers nous. Je ne sais pas trop si l'épisode 1 va pouvoir être classifié psychanalyse dans les podcasts, mais en tout cas... Parce que ça pourrait être dans la catégorie honnêteté. Oui, tout à fait, mais merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, tout ce chemin-là, le voyage que tu as fait
pour te rendre non seulement à travers la sortie de Windows in the Sky, mais maintenant en Europe, en tournée vraiment européenne. À découvrir tous ces petits moments de paix. Oui. Et de pouvoir les partager avec les gens. Puis pour moi, c'est un peu l'idée aussi pour laquelle, quand vous m'avez présenté l'idée du podcast, moi, je suis plus quelqu'un qui est dans l'écriture. J'ai plus un peu ce rapport avec les mots. Ben, c'est la façon dont tu partageais les tournées précédentes aussi. Ouais, puis quand j'avoue que lorsque vous êtes arrivé avec l'idée du podcast, je pense que c'est allé dans la même ligne d'esprit. De comment j'aborde tout avec le projet de Windows in the Sky, que ce soit d'aller me lancer dans le vide, Paste Radio Magazine, whatever, je sais pas trop c'est quoi le nom, mais en tout cas la radio Paste du magazine, ou à tous les soirs dans les concerts, ouais. Trucs comme ça. Pour moi, je me suis dit, OK, oui, ça me rend très inconfortable, je bouge. Là, tout à l'heure, je me posais la question, OK, est-ce que je m'imique trop? Déjà, bon, vous allez comprendre que... Puis, OK, est-ce que j'ai bien traduit mon propos? Mais je crois qu'à travers tout ça, l'occasion que j'ai de simplement pouvoir aller au-delà de ce qui me... Ce qui aurait autrefois été une limite. Non, mais de ce qui me fait peur encore aujourd'hui. Ben voilà. Je crois que c'est là la liberté, de pouvoir simplement être assez honnête envers moi et de ne pas avoir cette hantise d'être exposé, d'être honnête avec les gens. Et c'est vraiment ça qui m'a amené dans les concerts maintenant à ne pas avoir à m'inquiéter de prétendre quoi que ce soit. Il y a plein d'instruments, il y a plein de trucs, il y a plein de... J'ai mes mots, j'ai ma petite station que j'appelle ma station doudou avec où je peux juste aller comme me réfugier avec mes claviers. Refuge, ouais. Parce que je suis encore dans cet état d'esprit-là où j'ai besoin de tenir quelque chose. Une zone de sécurité. Oui, et c'est OK. Ben oui. On déconnait hier parce que je regardais juste mon Moog et il y a tellement de collants de couleurs, des numéros, des collants de couleurs avec des numéros de couleurs différents, des trucs, et même chose sur mes guitares, des points de repère parce qu'il y a cette hantise, cette insécurité profonde toujours dans l'hésitation, ouais. alors que la vérité, c'est l'instinct qui doit, particulièrement en création, c'est l'instinct qui doit prendre le dessus, parce que je suis quelqu'un, en tant qu'artiste, je suis quelqu'un d'instinctif, mais une fois devant les gens, j'ai tellement été embrigadé dans mes conneries que j'ai besoin d'avoir toujours des trucs. Je me rappelle, dans les dernières tournées, j'avais un télésouffleur, j'avais des feuilles, j'avais tellement de trucs qui faisaient simplement me rappeler, et c'est ça qui est pernicieux, tous ces éléments-là me rappelaient que j'étais incapable, que j'étais insuffisant, que j'étais une fraude, alors que au final... C'était dans ma tête, mais pour moi, c'est d'une réalité extrême où ça me rend captif, ça me fige. Mais aujourd'hui, de pouvoir simplement dire, bah oui, moi, j'ai besoin d'être dans cet élément-là, c'est des émotions vives, je suis encore un peu, je me sens encore un peu perdu dans tout ça. Mais je le vis avec vous, on le vit ensemble. Il n'y a plus d'a priori, il n'y a plus de prétention, il n'y a plus de projection de quoi que ce soit qui pourrait donner lieu à ne serait-ce que le semblant d'une prétention. C'est ce que c'est. Et c'est ça qui nourrit cette liberté-là. Ouais. Et qui, pour moi, devient encore plus grand que la vérité. Parce que j'ai découvert beaucoup de choses aussi dans les dernières années où que j'avais besoin de vérité parce que j'avais besoin aussi de pouvoir m'ancrer. J'avais besoin d'absolu. Parce que dans cet absolu, je pouvais trouver une sécurité qui est bien que complètement malsaine, mais j'avais besoin d'ancrage. Alors qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire, bon, ben oui,
moi, aujourd'hui, c'est ce que je vis. C'est honnêtement de la façon que je l'explique et c'est la perception que j'en ai. Peut-être qu'au prochain podcast, je vais pouvoir dire « Ah, écoutez, le dernier podcast, c'était de la merde. Non, je crois plus ça. » Et ça serait cool. Ce serait correct, oui. Donc, c'est cette essence-là que j'amène dans la musique, dans les mots, parce que c'est le reflet de ce que je vis en tant que personne. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais assumer tout ça sous mon nom. Et ne pas avoir à me cacher encore une fois dans le collectif, de pouvoir un peu rendre des mots qui sont très personnels dans un peu les dissoudre dans l'univers collectif d'un band et d'un peu de me cacher et de me défiler. Alors que là, pas que j'ai besoin que ce soit mon nom en tête d'affiche, parce qu'au contraire, moi, c'est tellement loin de... Avec YFI, je ne voulais jamais faire d'entrevue. Je ne voulais pas être quelqu'un qu'on voit dans les vidéos. Je ne voulais pas être quelqu'un à qui on porte d'attention. Je n'avais jamais le courage d'aller là parce que on va me voir pour qui je suis et je n'ai pas envie. Tandis qu'aujourd'hui, tu vois, de mettre ces bases, cette fondation d'honnêteté, ça me permet de m'affranchir. Il n'y a personne qui peut dire « Ah, mais pourquoi t'as un lutrin avec tes paroles? c'est quoi, tu connais pas tes paroles par cœur? » Et moi, ça me fait rire parce que avant, cette simple lubie que quelqu'un pourrait, dans le fin fond de la salle, me regarder, penser autre chose, mais moi, je lui mettais cette pensée-là. C'était assez pour que le concert devienne un cauchemar pour toi. Un fiasco monumental. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, le fait que j'en parle, parce que c'est encore un peu sensé peut-être, mais en fait, c'est comme ça, parce que c'est émotionnel, parce que j'ai encore cette insécurité-là, puis c'est cool. Mais ça fait partie Et comme quand j'ai vu Michael Gira de Swans avoir un lutrin avec des paroles, quand j'ai vu John Lydon avec un lutrin avec des paroles, quand j'ai vu Michael Stapps avec un lutrin avec des paroles, bon, je me suis dédouané. C'est peut-être je les ai tenus responsables. Si jamais on vient me donner si on vient comme m'en mettre plein la gueule, je dis vous irez voir Michael Gira, vous allez comprendre lui ce qu'il en pense de votre opinion. mais faire sa part, c'est... Mais ça fait partie justement d'accepter ce processus d'acceptation-là dont tu parlais, de voir les choses pour quoi elles sont. Ouais, puis. Et juste vivre pour ce que c'est. Mais tu sais quoi, je vais aller encore plus loin que toi, Steph. Ce que ça m'a permis d'accepter, c'est l'amour des gens. Pause café. C'est vide la tasse, par contre. Mais c'est vrai, c'est l'amour des gens. Parce que tu peux avoir tout le décorum que tu veux, tu peux avoir toutes les technicalités que tu veux. Puis au final, les gens, ils s'en foutent. Tu sais, la vérité, c'est que tout ça, c'est dans ma tête. Mais c'est d'accepter l'amour des gens qui disent « Mais Alex, livre-toi. Ouais. Sois bien. » C'est toi, toi. Voilà. OK, bien. Je m'étais promis de ne pas trop être émotif. On avait presque réussi. Mais merci beaucoup. I brought that to myself. Merci pour cette honnêteté-là, ce partage-là que tu nous offres aussi. C'est vraiment très généreux de ta part. Donc, très hâte à l'épisode 2 du podcast. Voilà. Mais d'ici là, c'est concert à Cologne le 12, à Bielefeld le 13 et 2 en Allemagne. Et puis le 14 en Suisse à Bâle. Donc, et on se retrouve très prochainement. Pour l'épisode 2 du Alex Henry Foster podcast. Yes! Je suis encore en train d'assimiler le fait que c'est mon nom. Hier à Paris, j'allais dire bon, nous sommes your favorite. oui, mais bon. Voilà. Donc, mais merci à vous. Merci de m'accompagner dans ce voyage-là. Ça me touche beaucoup. Et merci à toi de nous accepter. Et je le reçois. Je le reçois.